Salut à vous les amis, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, c'est le temps idéal pour une nouvelle compilation de 5 gourmandises pour l'été, alors c'est parti! Ah oui, les gourmandises ne sont pas des recettes, ce sont des petites astuces pour vous faire plaisir rapidement et simplement. Un litre de sirop, donc moi j'ai pris du sirop de cerise et il faut faire le sirop avec de l'eau chaude. Il vous faudra de la gélatine et une pastèque. Alors première étape, on verse la gélatine dans le sirop chaud et on va mélanger. Un brownie, si vous voulez la recette, vous pouvez la trouver en cliquant dessus, des bananes, des fraises et des piques à brochettes. Il vous faudra un gâteau à la vanille, des fraises, du sucre et de la chantilly. La chair de la pastèque et un citron. Il vous faudra du jus d'ananas, de la mangue et du lait de coco. Et ben voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère que ces petites gourmandises vous ont plu et je vais directement les goûter. Je commence par cette jolie jarre qui me donne envie de pastèque, alors c'est parti. Oh, et dégueulasse, c'est pas bon. Non, je rigole, c'était bon, mais j'ai pas envie que vous me croyiez sur parole, alors j'ai invité un testeur. Et pas des moindres, Jojol. Et voilà. Wesh, ça va bien, salut tout le monde. C'est l'ami Jojol. Bon, bien sûr Jojol, je vais te demander d'être honnête et objectif, tester. Donc du coup là on n'a pas tout devant les yeux, il y a encore des trucs au frigo, mais en tout cas on a les petites brochettes et surtout les deux smoothies. Je pense que les smoothies c'était le plus important, sachant que c'est là où il y a le plus, on va dire, de travail. Donc okay, je te laisse goûter. Bon, moi je vais goûter celui à la pastèque. Voilà, c'est parti. Berdy. C'est super bon. Franchement, c'est super bon. Je crois que t'as mis du citron dedans. J'ai mis du citron. Et justement, il est super léger. Moi, je déteste le citron, officiellement. Et là, officiellement. Il est super léger, officiellement. Et en fait, là, franchement, au niveau du goût, moi, j'aime bien. Du coup, on valide, ça, c'est top. Ouais, ça, c'est bon. La petite brochette, tu veux goûter? Bon, après, c'est vraiment classique. Ouais. Hein, ça, je pense que c'est bon, à la limite. Enfin, ouais. En fait, il a envie de goûter. Ouais, ouais, ouais. Allez, une petite bouchée, hein, la famille. Une petite bouchée. Nous notons que la brochette a diminué d'un tiers. Là c'est bon, on le brunit, voilà, c'est classique. Et du coup vous avez vu, c'est vraiment des petites gourmandises, c'est très très simple à faire. Et pour terminer, je te laisse goûter ce que je préfère. Ça c'est la mangue. J'adore la mangue, c'est superbe. Franchement, ça c'est à faire à la maison. Ça, franchement, je vais acheter la machine juste pour ça, tu sais. En tout cas, voilà, vous aurez compris que ça c'est vraiment de la tuerie. En tout cas, ouais, moi j'en fais très 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 souvent. Merci Jojol qui est venu tester ces produits. J'espère qu'un jour je pourrai vous faire tester, vous les abonnés, toutes ces recettes. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous voulez que je vienne chez vous en fait pour vous faire goûter. Ça peut être intéressant. Bah, pour vous prouver que c'est vraiment super, voilà, bon. Moi je peux vous le dire, c'est super bon. Voilà, on a l'avis de Jojol. Merci, sa chaîne est en bas dans la description. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'intro. C'est aussi Jojol qui l'a fait, du coup, qui m'a aidé. Et c'était top. Enfin, il l'a fait quasiment de A à Z. Hein. On voulait faire quelque chose de sympa, original. Et voilà. Bah, dites-moi si ça vous a plu. Sur ce, on se laisse. Vous pouvez cliquer sur nous pour vous abonner. Et sur ce, ciao ciao. Ouais. Salut.